face au Nigeria. C'est donc parti pour cette 13e finale de la Coupe d'Afrique féminine. Eh bien joué, elle préfère cette compétition. Attention, Nigérienne en attaque dans une phase de réparation. Elles sont contrées une première fois, une deuxième fois, et la frappe de lancer proprement au Kobi. Ah, c'est passé pour Ordega dans ce compte de réparation. Ordega qui passe, et l'arbitre indique le point de pénalty. Il faisait le jeu, Matlous se trouve. Et Ordega qui en profite, qui passe Swart et qui est au choix là, c'est insensibilité. Balle de 1 à 0 pour le Nigeria et ça passe à côté, sursis pour l'Afrique du Sud. Le choix là qui ne trouve pas le cadre, 0 à 0 en reprise. Complètement Okobi, qui a une bonne frappe de balle, Okobi qui s'approche, Okobi qui manque le cadre. Il n'y a pas de faute là, le choix là, en fait la surface de réparation, la frappe de choix là, donc il est dévié par Swart en corner. Gatlana encore, Gatlana toujours, la frappe dans les bras de la gardienne, que c'est bien joué. Il y a aussi du monde côté nigérien, c'est mal renvoyé. Oh, la belle frappe et la belle para. Oh, c'est bien tiré, la petite savonnette là, mais le ballon... Les enjeux en mal épée et c'en est terminé. Et bien le poteau. Matlou, lucarne parfait. Oh, c'est bien joué, mené 2 à 1 pour l'Afrique du Sud. Donc c'est mal tiré. Chikwelu pour le troisième tir nigérian. Il prend son temps, Chikwelu. Tranquillement, c'est passé, joué haut. Oh, que c'est bien tiré de la part de pour Ushendu. Ushendu, ça fait, il prend très peu d'élan. Face à la gardienne et l'arrêt, le Nigeria est à nouveau champion d'Afrique. Les Nigérianes qui réalisent la passe de 3 sur cet arrêt magnifique de Oulu. Voilà, Ibi qui accompagne Chikwelu pour recevoir ce trophée.